Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. À mes côtés pour débriefer le match face à la Roma, j'ai Théo. Salut Théo. Yann. Salut, salut tout le monde. Et Mathéo. Salut Mathéo. Salut tout le monde. Avant de débriefer le match nul face à la Roma, 3 buts partout, nous reviendrons chaque semaine sur les matchs d'Europa League dans une petite chronique en début d'émission. Cette semaine, c'est Théo qui s'est collé. Alors dis-nous rapidement, que s'est-il passé lors de ce match face au Celtic ? Et oui, exactement, cher Guillaume, puisque le 22 octobre débutait la campagne européenne de Milan. Donc, premier match en Europa League, on se déplaçait en Écosse pour affronter le Celtic. L'occasion pour Pioli d'aligner son fameux milieu à 3. C'était une initiative qu'il avait en tête depuis quelques temps. Et on a donc eu le droit à Tonali, Krunić et Franck Kessié, alignés juste derrière Ibra, Castillero et Brahim Diaz. Au-delà du score final, on le rappelle, Milan s'est imposé 3-1 à l'extérieur. Moi, j'ai surtout remarqué un bon match de Rade Krunić, et surtout, on a gardé Castillero dans le rythme. C'est pas facile pour lui, sa situation avec Saelemaekers, dont l'option d'achat a été levée au mercato estival, et les bonnes performances de Brahim Diaz. On le garde dans le rythme. Il fait une super passe décisive pour la tête de Rade Krunić, que je l'ai trouvé globalement bon sur la rencontre. Après, voilà, victoire 3-1, un but sur corner, le premier but de Jens Petter Hauge dans les dernières minutes, le Norvégien qui était positif au Covid. C'est pour ça, si certains se demandent sa non-présence sur le banc ce soir face à la Roma, mais il aura mis son premier but sur une passe D justement de Saelemaekers. Un petit point faible avec le but qu'on encaisse sur corner, et malheureusement, on s'en rendra compte avec le débrief de ce soir. Les faiblesses sur corner n'ont pas fait que se devoir face au Celtic, puisque ça aurait été également le cas ce soir face à la Roma. Bilan, une victoire, 3-1, on s'impose face au Celtic. Et dans l'autre rencontre, Lille s'est aussi imposée largement, 4-1 face au Sparta Prague. Très bien, tu le disais, du coup, l'AC Milan a fait match nul sur la pelouse du San Siro, 3-3. Donc avec des buts tout d'abord de Ibrahimović grâce à une passe décisive de Leão, puis Saelemaekers grâce à nouveau à une passe décisive de Leão, et enfin Zlatan Ibrahimović marquera sur penalty. Il y a énormément de choses à dire, et puis un arbitrage qui est vraiment au centre de cette seconde période. Et un match qui aurait pu peut-être terminer avec un peu plus de cartons et un peu moins de joueurs sur le terrain. Yann, qu'en as-tu pensé globalement de cette rencontre ? Eh bien, gros match, beaucoup de choses à dire sur ce match. Dans l'ensemble, point positif, c'est que nous avons fait un très gros match. J'ai trouvé dans l'ensemble une prestation collective très bonne des Rossoneri. Après, pour moi, on mérite clairement de gagner ce match. La Roma peut vraiment être contente de repartir de San Siro avec un point ce soir. Pour commencer, le match commence sur les chapeaux de roue avec un débordement de Leão sur le côté gauche qui revient sur son pied droit et qui met une petite louche pour Ibrahimović, qui n'a plus qu'à déposer le ballon dans le but. But qui paraît facile, mais qui n'est pas si facile que ça. Il doit quand même bien tendre son pied pour juste passer devant Mirante. Quelques minutes plus tard, à la 13e minute, c'est Džeko qui va mettre sa tête sur un corner. Avec une sortie totalement aux fraises de notre gardien d'un soir, Tătărușanu. À la suite de ce but, Milan semble un peu perdre ses repères au milieu du terrain. On n'a pas beaucoup le ballon, on court beaucoup après la balle. Et c'est à partir de la 20e minute où j'ai l'impression que Bennacer et Kessié reprennent enfin le dessus sur notre milieu de terrain. Et là, gentiment, la machine qu'on a vue lors de ses premiers matchs se remet en marche. On a plusieurs occasions, une frappe de Theo Hernández, Romagnoli qui fait aussi une belle tête avec un arrêt de Mirante à la 29e. À la 29e également, un poteau de Kjær toujours sur des corners. J'ai noté un excellent Hakan qui a fait d'excellents coups de pied arrêtés, que ce soit les coups francs, que ce soit les corners. Il a vraiment été très bon sur cette première période. En deuxième mi-temps, on commence comme on a débuté la première, avec un débordement de Leão à nouveau sur le côté gauche qui va déposer le ballon sur notre ami belge Saelemaekers. Ça 6-2 pour les Rossoneri, et ensuite débute le festival de monsieur Giacomelli, l'homme habillé de jaune ce soir au milieu de San Siro, qui va tout d'abord siffler un penalty à la 69e sur une faute de Bennacer qui pour moi est totalement inexistante, mais on en reviendra plus tard sur ces décisions. C'est Vertu qui se charge de tirer ce penalty et qui le transforme. Et puis, quelques minutes plus tard, M. Giacomelli se dit « Mince, ça fait quelques pénaltys que je ne siffle pas pour les Rossoneri. Mon pénalty pour la Roma n'était peut-être pas excellent. Et si je sifflais un pénalty sur une faute de Mancini, je crois, sur Hakan. » Et puis, à ce moment-là, c'est Zlatan qui va transformer ce tir au but pour le 3-2. Et pour finir, c'est en fin de match sur un corner, sur une erreur de Zlatan Ibrahimović, malheureusement, qu'on va se prendre l'égalisation de Kumbulla. Donc, on repart de ce match 3-3. On perd nos deux premiers points, comme tu l'as dit. Et puis, voilà, j'ai un sentiment d'inachevé, un sentiment de rage. Et voilà comment je termine cette soirée. Tu parles de compensation. Franchement, je ne suis même pas certain que ça soit de la compensation. Tellement l'arbitre, il a l'air serein dans ses deux prises de décision. Je pense je crois que c'est Philippe Genin qui le dit. C'est son deuxième match en tant qu'arbitre, tout simplement. Et c'est le deuxième match qu'il arbitre, c'est le troisième penalty qu'il donne. Mais le premier sur Bennacer, je ne comprends absolument pas pourquoi il ne va pas consulter la VAR, pourquoi là on ne lui parle pas dans l'oreillette. Moi, je trouve en fait la première, après voilà, il y a cette compensation qui arrive très vite. Mais je trouve que sur le premier penalty de Bennacer, ça doit être sanctionnable par la fédération italienne. Je ne vois pas comment on peut laisser passer une décision comme ça. L'arbitre snob complètement la VAR, il n'y a jamais faute, mais jamais faute. Il prend un jaune, enfin Leão prend un jaune pour contestation et derrière tranquillement il siffle le pénalty, verrez tout transforme. Et puis la Roma peut demander la même chose derrière parce que finalement c'est pareil, hein. Il n'y a absolument pas faute et l'arbitre de la même manière ne consulte absolument pas la VAR et je trouve ça complètement dingue en fait. T'en as pensé quoi toi de l'arbitrage, Théo ? L'arbitrage est lunaire. Sincèrement, il est lunaire. Il me déçoit d'autant plus que c'est un arbitrage qui s'enchaîne avec une rencontre face à l'Inter où pour moi aussi, il y a des choses qui n'auraient pas dû être sifflées. C'est dommage parce que jusqu'à la 70e, le match se veut quand même plutôt équilibré. On a beau avoir l'avantage au score, on se rend rapidement compte que Džeko est un poison permanent derrière et qu'on n'a pas une stabilité défensive sur tous les aspects du jeu qui font que ce n'est pas spécialement terminé. Mais ça te sort complètement de ton match. Cette erreur d'arbitrage-là, le fait qu'il n'y ait pas d'appel à la VAR fait grandir ce sentiment d'injustice encore. Et j'avais beau être content à ce moment-là du pénalty qui est attribué derrière. Avec le recul, déjà, comme tu le disais très justement, il n'y a jamais pénalty. Et de deux, ce système de compensation, je trouve que c'est le plus grand aveu d'impuissance qu'un arbitre peut faire, d'admettre son erreur en créant une autre, autant pas siffler pénalty, revenir sur sa décision. Et puis oui, tu le disais très justement, Guillaume, ce sentiment de monsieur je sais tout, etc., d'avoir cette telle certitude sur les deux pénaltys qui sifflent. Moi, je ne la comprends pas, quoi, surtout quand on regarde le ralenti, sur l'intentionnalité ou sur le fond, la forme, ce que tu veux, il n'y a pas péno, quoi, que ce soit pour nous ou pas. Là, on parle des deux pénaltys sifflés, mais je note en première période sur une talonnade, je crois, d'Ibrahimović, une main d'Ibanez ou je ne sais plus quel défenseur central qui aurait pu aussi, selon moi, être sifflé. Et ensuite, pour moi, un gros litige également en deuxième période lorsque Ibrahimović part au duel avec Mancini et je crois que c'est Mancini qui est avec les bras très haut levés, qui touche le ballon de la main et là, l'arbitre siffle une faute contre Ibrahimović. Alors qu'il n'y a absolument pas faute d'Ibrahimović et que le penalty aurait pu être également à ce moment-là. Il lui met un jaune en plus. Ouais. Toi, Mathéo, t'en as pensé quoi, toi, de cette prestation ? On va finir là-dessus. Globalement, sur tout ce que vous avez dit sur l'arbitrage et tout, voilà, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense qu'il a perdu le fil du match à un moment, Giacomelli. Donc, c'est sûr que c'est dommage. Après, sur notre prestation, j'ai été assez content, notamment de voir le jeu qu'on proposait, qui est toujours... Voilà, dans les standards de Pioli depuis maintenant un bon bout de temps, quoi. Mais surtout, j'étais assez content de voir nos réactions parce que voilà, on s'est fait prendre au score deux fois et par deux fois, on a réussi à aller remarquer un but. On a continué à créer notre jeu. On n'a pas changé notre philosophie, que ce soit quand on avait marqué, quand on a encaissé, etc. Donc, ça montre qu'il y a vraiment eu un step mental qui a été passé par les hommes de Pioli parce que voilà, maintenant, on joue notre jeu, peu importe ce qui se passe durant la partie. Donc, j'étais assez content de ça. Après, voilà, on est tombé contre une belle Roma, il faut le dire quand même. Assez dangereuse. Vous avez parlé tout à l'heure de Džeko qui était vraiment un peu à l'image de Zlatan. C'est vraiment un point de fixation assez impressionnant. Donc c'est vrai que sur ce point-là, assez content de voir qu'on a réussi à tenir tête à cette Roma qui vraiment a proposé de belles choses. Après voilà, au niveau du score, un match nul, on peut se dire qu'on méritait mieux. Je pense que sur l'ensemble du match, on s'en tire pas si mal que ça non plus, parce qu'on a quand même eu beaucoup de situations dangereuses. On s'est créé des belles occasions aussi. Mais voilà, il y a plusieurs moments où on n'est vraiment pas passé loin d'encaisser des buts. Après, voilà, Tătărușanu, je pense qu'on va en parler un peu plus tard dans l'émission, mais ça a été très, très compliqué ce soir, quoi. Voilà. Ouais, moi, j'ai trouvé que justement, cette Roma, offensivement et même au milieu de terrain, avait de bons éléments, mais j'ai trouvé que cette Roma a pris l'eau sur toute la rencontre en défense, quoi. On l'a vu à travers les arrêts très décisifs de Mirante, dont le dernier peu avant la 90e minute sur la tête de Kessié. Mais vraiment, j'ai trouvé cette défense de la Roma très fébrile. On l'a vu sur les coups de pied arrêtés, on prenait sans arrêt l'ascendant sur eux. Et voilà, le match, le score atteste aussi que nous aussi, on n'a pas été très bons défensivement. Moi, je reviendrai dans mes flops. Il y a une grande partie de joueurs à vocation défensive. Donc voilà, le 3-3 reflète la physionomie du match. Je pense qu'on a été moins sérieux en défense, peut-être plus mis en danger aussi. Voilà, on va voir ça dans les tops et les flops à présent. Tu veux commencer avec les tops, Théo ? Tiens, juste à revenir sur un petit point, tu parlais d'Antonio Mirante. Est-ce que vous savez l'âge de ce gardien ? J'ai été le premier surpris. 36 ? Il est assez vieux, je crois. Il a 37 ans, ouais. Antonio Mirante. La stat du chiffre me parle parce qu'on parle d'un gardien. Paul Lopez a disputé 33 rencontres en championnat la saison dernière avec la Roma. Il a 25 ans, l'ancien gardien du Betis. Mirante n'est aligné que depuis ce début de saison en titulaire en championnat. Il n'a pas débuté face à l'Hellas, mais il était titulaire sur les autres rencontres. C'est Paul Lopez qui a gardé les cages face aux Young Boys de Berne il y a quelques jours. Et quel début de saison. Le match qui sort là est extraordinaire. C'est un gardien dont on se souvient à Parme, mais là, un match de ce calibre-là, avec le peu de confiance qu'on peut lui donner, il a disputé autant de matchs en championnat cette saison qu'il en a disputé la saison dernière. À titre de comparaison, quand on a 37 ans, qu'on est un gardien, voilà, qu'on pourrait considérer comme de second rang, quand le club le plus capé qu'on a, dans lesquels on a joué, c'est Bologne ou Parme. Je trouve son match extraordinaire. Il a beau ne rien pouvoir faire sur le but qu'aurait pu mettre Romagnoli à la 95e, il est partout. Sur le corner quasiment rentré en Hakan, sur sa ligne, etc. Il fait un match extraordinaire. Et ouais, non, c'était juste revenir sur la performance qu'il faut quand même souligner d'Antonio Mirante avant de partir sur mes tops. Pour mes tops, Guillaume, en troisième position, je pense que je mettrais Simon Kjær. On parlera de la solidité défensive ou non par la suite, mais encore une fois, je trouve le match du Danois extraordinaire. J'ai eu peur d'ailleurs qu'il se blesse à un moment. C'est un débat qu'on aura peut-être l'occasion d'avoir. Mais si Romagnoli ou Kjær se biaise, j'ai très peur pour la stabilité de notre charnière centrale. Mais encore d'une grande solidité le Danois ce soir. On se répète peut-être aux yeux de certains de nos spectateurs après chaque émission. Mais c'est fou, quel match. J'ai encore souvenir d'une action où il est à 30-40 mètres de retard. Romagnoli est largué au marquage par Džeko qui le prend de vitesse. Et sur une frappe, je ne sais pas si elle est cadrée ou pas arrêtée, Kjær, il a fait les 30 mètres et il est sur sa ligne pour compenser la sortie de Tătărușanu. Et je trouve qu'à son âge et avec le statut qu'on lui connaissait à son arrivée à Milan, il m'impressionne de jour en jour. En deuxième position, Rafael Leão, très bonne surprise. Très, très, très agréable la surprise parce que c'est un joueur qu'on a critiqué dans ses émissions et à juste titre à mes yeux parce qu'on ne critiquait pas un joueur pour ses mauvaises performances, mais plutôt pour les attentes ou les déceptions qu'on avait à son égard. On parle d'un joueur qui, à mes yeux, a un immense potentiel. Et ce soir, il a fait passer un véritable cauchemar à Kastrop jusqu'à ce qu'il sorte. Il le prend de vitesse deux fois, comme il avait pu le faire pour un but, je crois que c'était face à Bologne, de Zlatan qui va la chercher au deuxième sur un centre tendu. Ouais. Là, il récidive. Quel match de Rafael Leão. C'était très plaisant à voir et jusqu'à ce qu'il soit remplacé. Moi, j'ai beaucoup aimé sa rencontre. Et puis, bien sûr, on se répète. Forcément, on se répète, mais qui peut prendre la place de Zlatan sur les 5 premiers matchs de la saison à sa première place? Personne. C'est pas possible. À 39 ans, il est surhumain. Il est surhumain. Son entame de match après 2 minutes de jeu, déjà, ne pas mettre en confiance Mirante avec une telle anticipation sur sa sortie, etc. Montrer qu'en 1 minute 30, c'est lui qui va venir peser sur tes cages, sur tes 16 mètres 50. C'est fou. Il met son penalty, certes, pas forcément justifiable, mais il va mettre son doublé. C'est un joueur qui m'impressionne. Et à 39 ans, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans l'émission. C'est surhumain. À 39 ans, 6 buts, 3 matchs. C'est surhumain. Un apport constant encore devant. Il ne sort pas, il ne demande pas à sortir. Il est là, il pousse. forcément un peu déçu de son Kumbu raté au premier poteau pour l'égalisation de Kumbulla, ouais. Mais j'aurais un manque de clémence ou un aspect sévère sur ce joueur-là quand il nous décevra. Et c'est pour l'instant loin d'être le cas. Donc non, Zlatan, homme du match à mes yeux. Très bien. Mathéo, à toi, t'es top. Moi, pour le coup, j'avais les mêmes tops que Théo. Donc, j'avais mis Kjær, que j'ai trouvé encore très, très, très solide sur plein d'interventions. J'en ai au moins 3 ou 4 en tête. Là où il met son pied, il va mettre sa tête, il va être là quand il faut, où il faut. Donc, voilà, impressionnant. Leão, évidemment, tout aussi surpris que Théo sur son apport offensif, mais aussi défensif, parce qu'il s'est beaucoup replacé, chose qu'on pouvait énormément lui reprocher les matchs d'avant. Et ensuite, alors du coup, en troisième top, je dirais, au début, je voulais dire la paire Kessié-Bennacer, mais en fait, je me suis dit que Kessié, voilà, il est dans son registre maintenant, on sait qu'il est au-dessus du lot, on sait qu'il rate énormément de ballons et tout. Et j'ai trouvé que Bennacer était beaucoup, beaucoup plus présent ce match-là, un petit peu à l'image de la fin de saison dernière, où on le voyait beaucoup, toucher beaucoup de ballons, créer du jeu, faire des passes, se proposer. Je trouve qu'on a vraiment retrouvé un petit peu plus le Bennacer qui, entre guillemets, marchait sur l'eau à la fin de saison dernière. Donc, très, très content du match de Bennacer. On sent qu'il revient bien en forme. Et voilà, hein, que dire de plus, effectivement, Zlatan, quoi. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Je suis content que tu parles de Bennacer, voilà, parce que moi, je voulais aussi le mettre dans mes tops, mais j'étais en balance avec un autre joueur. Donc, du coup, j'ai donné plus de crédit à l'autre joueur, c'est Calabria. Et plus majoritairement, le côté droit, en fait, qui, je trouve, dépasse les attentes que j'avais et les craintes que j'avais au début de saison. Je trouve qu'en fait, Saelemaekers et Calabria, ils s'entendent super bien sur le terrain. Et on voit vraiment la différence quand Saelemaekers sort et Castillero rentre, et Castillero qui a un travail beaucoup plus offensif et qui a moins de repli défensif que Saelemaekers. Bah, en fait, voilà, peut-être que Calabria tout seul prendrait l'eau, mais la présence défensive de Saelemaekers aide en fait finalement, et 2 à chaque fois sur les joueurs qui jouent à gauche. Et pour l'instant, ça confirme aussi leur bon match qu'ils ont fait face à l'Inter. Je les ai trouvés très solides. J'ai trouvé Calabria solide sur son côté droit, contrairement au latéral gauche de l'AC Milan, Theo Hernández, dont je reviendrai un peu plus tard. Mais voilà, Calabria, je trouve encore une bonne performance. Il monte en puissance. Après, voilà, je sens qu'il sera limité. Ce ne sera pas un mec qui partira pour 50 millions ou quoi. Mais je pense qu'il peut devenir, à mon sens, un bon joueur de Serie A. Et à ce poste-là, défenseur droit, il tient la baraque pour l'instant. Deuxième position, j'ai mis Zlatan Ibrahimović. Je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter par rapport à ce que vous avez dit. Et en première position, j'ai Raphaël Leão. Voilà, parce que je trouve qu'il fait 2 grosses différences sur les 2 passes D. Voilà, et il nous remet tout de suite dans le match. Il nous permet de mener rapidement. Et à la 46e minute, en tout début de deuxième période, il nous permet de reprendre l'avantage précieusement. Donc voilà, gros match du Portugais. Yann, pour finir sur les tops. Alors pour les tops, je vais faire assez court parce que vous les avez déjà tous cités. En troisième position, je vais mettre Simon Kjær, qui pour moi enchaîne les matchs depuis le début incroyablement bien. Il nous apporte une certaine sérénité derrière qu'on n'avait peut-être pas à cause de l'absence de Donnarumma. Je le vois aussi beaucoup communiquer. Ça, c'est quelque chose auquel je fais beaucoup attention. Vous l'aurez déjà remarqué, c'est la communication. Et je le vois beaucoup communiquer avec ses milieux de terrain, avec ses latéraux. Et ce soir, comme l'a justement dit Mathéo, il nous a sauvés sur plusieurs occasions. Il a réussi à récupérer un peu les difficultés de Romagnoli face à Džeko, ou encore sur certaines occasions, il a juste réussi à mettre son pied, à faire l'intervention nécessaire pour éviter un but. Donc, je m'écarte en troisième position. Ensuite, en deuxième position, c'est Mathéo qui en a parlé. Je vais mettre Bennacer. Je pourrais aussi le mettre avec Kessié parce qu'ils font clairement la paire les deux. Tu commences à l'aimer, hein. Une petite idylle amoureuse commence à se créer entre Bennacer et moi. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais super match de Bennacer ce soir. Super match de Bennacer ce soir, qui perd pratiquement aucun ballon, qui est très bas, qui a un centre de gravité, vous l'aurez remarqué, qui est très bas, qui est très difficilement, qui tombe très rarement. Ouais. Et qui arrive à faire avec des feintes de corps à casser la première ligne offensive de la Roma pour ensuite pouvoir construire le jeu et s'ouvrir le jeu face à lui si on veut bien, et pouvoir aller chercher les ailiers ou Hakan ou encore Ibrahimović devant. Donc je l'ai trouvé vraiment excellent ce soir, Bennacer, dans son rôle de 6, de double pivot avec son compère Kessié. Et en numéro 1, ben, vous l'avez dit, hein, pour moi ça ne change pas, ça reste toujours le même. 39 ans, je viens de Suède, je mets des doublés. Zlatan Ibrahimović, pour moi il a été vraiment super ce soir à nouveau. Au-delà de ses 2 buts, il est partout dans le jeu. Il touche absolument tous les ballons devant qui sont dangereux, passe par une déviation de sa tête, par un petit 1-2, une remise. Donc, je trouve ça totalement incroyable. Et physiquement aussi, je pense à une séquence de jeu aux alentours de la 60e minute où les deux équipes étaient totalement scindées en deux. Et on voyait un peu nos joueurs qui n'arrivaient plus trop à mettre de l'intensité dans leur contre-attaque. Et j'ai vu Zlatan, qui était un des seuls, qui faisait des appels, qui est revenu, qui essayait d'aller chercher la profondeur. Et ça, pour un joueur de 39 ans, avoir encore cette pêche après une heure de jeu, je trouve ça absolument incroyable. Donc, il mérite très amplement sa première place dans mes tops. Très bien. On va passer au flop à présent. Théo ? Un seul véritable flop à mes yeux ce soir, c'est Cyprien Tătărușanu. Je parlerai de deux joueurs que je trouve en méforme et une méforme qui est justifiée à mes yeux. Pour le portier roumain, première difficile. On apprend dans l'après-midi, premièrement grâce à Vitiello, le journaliste italien, puis confirmé par le club ensuite, que Jens Petter Hauge et Donnarumma sont positifs au Covid. De là, changement de plan, je pense que l'institution était au courant un petit peu avant, mais ça a été annoncé tardivement. Et première difficile pour lui. Il avait joué que quelques minutes face à Brescia en amical et là il se retrouve dans le grand bain tout de suite dans un match face à un jeu en plus. Le manque de communication sur le premier corner où il est aux fraises malheureusement, et puis sur l'égalisation de Kumbulla, peut-être que Zlatan n'a pas forcément confiance en ce qu'il avait prouvé sur les premiers corners et qu'il se dit d'y aller tout seul plutôt que de lui laisser. Au final ça fait deux buts où il est plus ou moins impliqué. Donc, c'est un jeu le... On peut même lui rajouter le penalty sur Bennacer où je pense que même il peut la capter. Honnêtement, il peut y aller aussi. Ouais. Et ce n'est pas la première, c'est même la troisième parce que le match, il y en a deux avant où je le trouve limite sur ses interventions. Il peut les capter facilement et on le sent en fait qu'il est dès le départ pas mis en confiance par sa boulette en première mi-temps. Donc je trouve que même il est impliqué sur les deux premiers buts. Et puis après, voilà, deux déceptions, mais qui sont pour moi largement justifiées. C'est celle de Hakan et Theo Hernández. Des déceptions dans la mesure où, pour le premier, l'international turc revient de blessure. Il enchaîne 90 minutes. Il est un peu moins bon que les matchs précédents, mais ce n'est pas pour autant qu'il a fait un mauvais match. Et Theo Hernández, que j'ai trouvé un petit peu moins incisif, mais c'est le seul joueur d'ailleurs de notre effectif qui a disputé l'intégralité des rencontres depuis le début de saison. Et j'espère sincèrement que jeudi, il va faire tourner Pioli parce que on a testé Tonali au milieu, c'est bien. On a fait tourner devant, c'est important. Mais Theo Hernández doit souffler. Gabia a eu du temps de jeu. Peut-être que Kaloulou mérite une première face au Sparta. On ne sait pas, il va falloir le tester. Peut-être que Conti Calabria doit être aligné, quitte à avoir moins de solidité défensive. Mais on n'a plus l'axalt. Et Theo Hernández, on sait que c'est un joueur de vitesse. Il a beau avoir du coffre, il le montre encore dans le temps additionnel où il va chercher un corner en se battant face à Ibanez et Bruno Pérez, mais c'est un joueur qui a besoin de repos. Et pour moi, il y a un surenchaînement des matchs qui est ni bon pour lui, ni bon pour le collectif. Donc, j'espère qu'il y aura une rotation face au Sparta de Prague. Je ne le mets pas dans mes flops. Je tenais simplement à rappeler que voilà, il a été un petit peu moins présent, mais c'est largement justifiable au vu du rythme monstrueux qui subit le début de saison. Très bien. Yann ? Alors, je vais commencer par mon premier flop, c'est ce que vient d'expliquer Théo. Je parle de Theo Hernández, qui est notre latéral gauche et dont j'ai envie d'attendre quand même plus de lui. Je le trouve ce soir assez discret. J'ai même Calabria et même pour moi offensivement ce soir plus présent que Theo Hernández, qui s'est concentré ce soir sur son travail défensif. Tu le dis justement Théo, je pense que l'enchaînement des matchs joue aussi un rôle important sur ce... Petite difficulté physique, j'ai envie de dire, parce que je l'ai trouvé moins percutant, moins présent physiquement sur son côté gauche, peut-être mis en difficulté aussi par Karsdorp et par Pedro. Mais défensivement aussi, je l'ai trouvé un peu mou, pas forcément toujours très attentif. Et du coup, c'est pour ça que je le mets à la troisième place de mes flops. Deuxième place de mes flops, vous en aviez déjà parlé lors du derby de la semaine passée, c'est Romagnoli, qui pour moi... malgré quelques interventions exceptionnelles face à Džeko, qui est quand même un grand attaquant, c'est un grand client qu'il a en face de lui ce soir à nouveau, comme lors du derby face à Lukaku. Il fait quelques excellentes interventions de la tête, mais par exemple sur le premier but, où certes Tătărușanu se trouve complètement, c'est lui qui est au marquage de Džeko et qui se fait passer par-dessus. Il y a une action, je ne me souviens plus exactement, où c'est Mkhitaryan qui met une balle à Džeko qui peut nous mettre le 2-1. Il est aussi un petit peu en retard face au Bosniak. Et j'ai trouvé un peu doux dans certaines de ses interventions face à Džeko. Du coup, c'est pour ça que je le mets en deuxième place de mes flops ce soir. Et première place de mes flops pour le match d'aujourd'hui, c'est Tătărușanu. Il avait la lourde tâche de remplacer Donnarumma qui a été annoncé absent suite au Covid cet après-midi. C'est vraiment pas évident. Premier match pour lui avec le maillot rossonero. Et pour moi, il n'assume pas son rôle de doublure de Donnarumma en n'étant pas sûr de lui dans ses interventions, en lâchant très souvent le ballon et en se loupant complètement à la 13e minute sur le but de Džeko où il sort totalement aux fraises. Eh bien, bah moi j'ai exactement les mêmes que toi dans le même ordre, c'est-à-dire Théo en 3, je peux rajouter juste par rapport à ce que tu as dit, le fait aussi qu'il a très mal joué les contres, notamment un où il part sur le côté, on est vraiment 5 contre 3 il me semble, et puis il loupe un centre en retrait, et voilà c'est un peu à l'image de son match, même à ce qu'on a vu où il a été complètement muselé par Hakimi face à l'Inter. Voilà, il a peut-être besoin aussi de souffler, tu l'as très bien dit Théo, il n'y a pas de doublure vraiment à Theo Hernández, je pense. Dalot est plutôt un défenseur droit, il me semble. Donc voilà. Il avait été acheté en tant que défenseur gauche, si je ne dis pas de bêtises, par Manchester United. Mais okay. Ça fait partie des tests. Conti, Calabria, qui vous voulez. Si vous voulez, on rappelle Borini de l'Hellas pour un match et on fait jouer à gauche. Mais laissez souffler Théo, quoi, qui regarde le match de chez lui et qui souffle un peu, quoi. Borini, tu le mets même à la place de Tătărușanu en deuxième gardien, il y va. Oui, vas-y Mathéo. Du coup, pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, déjà, je pense qu'à gauche, s'il y en a un qui doit jouer à gauche dans l'effectif, ça sera Calabria, parce que je pense que c'est le seul qui a déjà pas mal joué. Je me souviens de saisons sous Montella ou même sous Gattuso, où il a déjà un peu évolué à ce poste, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit. Ensuite, sur ce que Yann disait par rapport à Romagnoli, je suis totalement d'accord sur l'analyse qu'il fait, en fait. Mais il y a un point qu'il faut quand même préciser, c'est que Romagnoli revient d'une blessure très très longue et que le gars, il s'enchaîne les deux meilleurs neufs de la Serie A, j'ai envie de dire. Quand je parle de neufs, c'est les neufs physiques, durs à jouer, durs sur l'homme. Oui. Donc, il enchaîne Lukaku, Džeko et il nous sort quand même deux prestations à 2-6. Enfin, quand je dis 6, c'est de notation 6, quoi. Je veux dire, c'est des matchs pas extraordinaires, mais il fait son boulot et c'est quand même appréciable de savoir que voilà, Romagnoli revient et Romagnoli est, mine de rien, assez solide, quoi. Et ça m'a impressionné de voir non seulement son niveau physique, mais aussi son niveau technique, si je puis dire. On ne l'a pas vu rater de relance, on ne l'a pas vu… Voilà, je le trouve très sûr de lui et ça me fait vraiment du bien de le savoir à ce niveau-là, quoi. Après, voilà, sur les flops, je suis totalement d'accord avec vous. Et je dirais même, si je dois rajouter un flop, entre guillemets, c'est pas une personne, c'est un aspect tactique du jeu. Je dirais la gestion de nos contres qui a été catastrophique aujourd'hui, parce que voilà, on a eu plusieurs situations, on s'est retrouvé en supériorité numérique et on n'a pas réussi à concrétiser ça. On peut en rater un, on peut en rater deux. Là, je pense à au moins 3 ou 4 fois où vraiment on aurait pu se créer des occasions très très franches, voire marquer un but et on n'a pas réussi à le faire. C'est préjudiciable. Et encore, comme on en a parlé au début de l'émission, voilà, les coups de pied arrêtés, c'est pas normal d'encaisser autant de buts sur coups de pied arrêtés. Mais j'espère qu'on va vite corriger ça. Donc du coup, t'as qui dans tes flops? T'as Tătărușanu, Théo et... Comme vous, les mêmes. Okay. Tătărușanu, Théo plus ou moins, parce que voilà, je pense que, comme disait Théo, il faut qu'il se repose. Et donc Tătărușanu et puis principalement Tătărușanu, quoi. Malheureusement pour lui, j'espère qu'il va vite se reprendre aussi, parce qu'on risque de perdre Gigio pour peut-être plusieurs matchs. On ne sait pas encore comment ça va se dérouler pour lui. On espère qu'il va vite revenir, donc si ce n'est pas le cas, il faudra que Tătărușanu soit très très vite au niveau. Très bien. Nous allons passer au débat du jour à présent. Vous avez pu le voir récemment, le Milan revient sur les devants de la scène. Forcément, les médias français commencent à s'intéresser à notre club et viennent les premiers débats autour d'un Zlatan dépendance, d'un Zlatan qui fait le travail à la place de Pioli et des autres. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 11 joueurs sur le terrain. Mais du coup, je vais quand même vous poser la question, les gars. Sommes-nous tout simplement Zlatan dépendants? Mathéo, je vais te laisser commencer. Alors, je dirais qu'à l'heure actuelle, je pense qu'on ne l'est plus. Parce que quand il est arrivé, Zlatan, il a apporté énormément de choses. Donc, que ça soit évidemment sur le terrain, en termes de stats, de buts, de son poids, de sa présence sur le terrain, c'est indéniable qu'il est hyper important. Mais évidemment aussi tout son aspect mental. On sait qu'il a apporté dans le vestiaire, voilà, une envie de gagner, un professionnaliste qu'on n'avait plus à Milan, donc qui a été primordial, j'ai envie de dire, dans cette reconstruction. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, le temps est passé. Je pense qu'il a permis à tout ce groupe de mûrir ensemble, de grandir. Et je pense qu'aujourd'hui, on est capable de se passer de lui. Ça s'est vu sur d'autres matchs où il a été absent, notamment à cause du Covid. Ou même, je pense, à la saison dernière, quand il s'est blessé au mollet pendant plusieurs matchs, le Milan a quand même réussi à développer son jeu. Je pense qu'aujourd'hui, Zlatan, il est primordial pour une seule et bonne raison. Je pense que c'est que notre système de jeu fait qu'on a besoin d'un 9 qui pèse devant. Parce qu'on se repose énormément sur ses qualités athlétiques qui font qu'il va jouer en remise, qui va décrocher, qui va un petit peu organiser le jeu. Et puis, forcément, ses qualités de finisseur qui sont indéniables. Mais je pense que si demain, Pioli, il arrive à adapter son jeu à un joueur comme Leão, un joueur comme Rebić, et qu'il arrive à les installer au poste de 9, certes, en changeant notre système de jeu, on va peut-être un peu plus jouer dans la profondeur, peut-être avoir un jeu encore un peu plus direct. Mais je pense qu'une fois qu'on aura réussi à faire ce pas-là, d'adapter un autre joueur, parce que je pense que ce soit Leão ou Rebić, ils ont les capacités de jouer à ce poste-là. Donc je pense que si un jour, voilà, on a l'occasion de les tester, de vraiment leur permettre de s'acclimater à ce poste-là, on sera capable de jouer tout aussi bien, même sans Zlatan. Et pour finir, si je devais dire un joueur de notre effectif qui est vraiment, entre guillemets, irremplaçable, je pense que c'est Hakan. Je pense que c'est le seul joueur de notre effectif qui a des qualités vraiment uniques à lui-même, en fait, qu'aucun autre joueur ne peut organiser le jeu de la manière dont il le fait. Aucun autre joueur peut tirer les coups francs comme il le fait. Aucun autre joueur a cette vision de jeu. Et je pense que si on devait vraiment dire un joueur irremplaçable, même si, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout l'effectif a son importance, mais je pense que Hakan, dans ses caractéristiques, est plus primordial aujourd'hui au Milan AC que Lei Ibrahimović. Alors, j'enlève rien au travail que fait Ibrahimović. Je pense que vous allez tous le dire tout à fait ce que je pense sur son rendement, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, les joueurs ont un petit peu accepté cette idée que, voilà, peut-être que demain, Zlatan, il sera plus là. Zlatan, il a 39 ans. Les joueurs, on l'a intégré, et je pense que et Pioli aussi, et je pense que maintenant, il faut penser au futur, et je pense que les joueurs le font très bien, Zlatan le fait très bien. On va de l'avant, et on n'est pas Zlatan dépendant, on ne l'est plus en tout cas, je le pense, et j'espère que c'est vraiment que c'est le cas, parce que Zlatan, malheureusement, c'est bientôt la fin. Voilà. Très bien. Théo, tu es d'accord avec Mathéo ? D'accord avec Mathéo sur le contexte, et je pense qu'il y a quand même un élément actuel qu'on ne peut pas réellement sous-estimer, c'est l'absence d'Ante Rebić, blessé après s'être déboîté l'épaule face à Crotone. Et c'est une absence qui pèse sur ses valeurs intrinsèques et sur son positionnement sur le terrain. On est encore à un aspect tactique où Leão n'est pas prêt à jouer en neuf, où Colombo est hors de forme parce que pas assez bien lancé, et où on se retrouve dans une situation où, quand Zlatan n'est pas là, c'est des rôles de composition où pendant 90 minutes, on va mettre un joueur à un rôle qui n'est pas le sien. Donc, dans le contexte actuel, forcément, on a une dépendance auprès de Zlatan parce que c'est le seul buteur. Et oui, je pense que Mathéo le disait très justement, on a franchi ce cap-là. Je ne pense pas que Zlatan, en son absence sur son premier match, par exemple à l'extérieur face à Cagliari la saison passée ou lors de son arrivée, on pouvait s'en passer parce qu'il sortait tellement de nulle part, il nous sortait tellement de nulle part que c'était une figure qui allait nous faire grandir. Maintenant, voilà, j'entendais parler de Mauro Icardi comme son remplaçant idéal. Je pense que l'attaquant qui le remplacera aura de 1 une charge très lourde à porter. Ça peut être Ante Rebić comme ça peut être Raphaël Leão, mais le plus important sera la présence athlétique et cette capacité à peser sur une défense. Parce que si on conserve le 4-2-3 actuel la saison prochaine, ce qui est une possibilité parmi tant d'autres, il faut qu'on ait ce point de fixation stable et pesant sur une défense, parce que dans ce système-là, où Hakan a enfin cette liberté de jouer 10 et on a des ailiers qui sont capables d'apporter offensivement, on va avoir besoin d'un attaquant capable de jouer dos au but et dans la finition. Et oui, le rôle de Zlatan va se transmettre. Après, il faut espérer que la pointure qui le remplacera aura un panel tout aussi large ou au moins remplira quelques aspects du géant suédois qui est Zlatan Ibrahimović. Mathéo ? Du coup, par rapport à ce que tu disais, Théo, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je parlais vraiment dans l'optique de cette saison-là. Voilà, si demain, Zlatan, il peut plus jouer jusqu'à la fin de la saison, est-ce qu'on a les moyens de le remplacer ? Après, sur le long terme, je suis totalement d'accord sur le fait que si on veut conserver notre système, il va falloir un 9, comme tu dis, qui pèse sur les défenses, qui a un jeu en pivot, un peu à la Džeko. Il faut qu'on arrive à trouver ce profil-là. Alors, très honnêtement, dans le football actuel, je ne le vois pas, surtout pas dans nos prix à nous. Mais effectivement, je ne pense pas que sur le long terme, le Milan ait envie d'installer ni Rebić ni Leão à ce poste de neuf. Après, ça serait pour moi une perte sur cette saison-là technique et en termes de poste. Totalement, de tenter ces deux joueurs. Totalement d'accord avec toi. totalement d'accord avec toi. Après, Džeko s'est fait refuser 2 fois son poste à la Juve à cause d'extra-communautaires. Cet été, c'était Luis Suarez. Il y a quelques années, c'était Milos Krasić. Peut-être qu'on va réussir à le convaincre de venir chez nous l'été prochain. Vu le match qu'il nous fait encore là, après, dans le contexte où il est. Je pense qu'il faut qu'on vise sur un peu plus jeune. On peut parler sur la jeunesse. Et Leão, parce que Leão, on en revient à ce qu'on a dit, c'est que Leão, on l'avait trouvé dégueulasse face à la Spezia sur le côté gauche. Quand il est replacé neuf, il plante 2 buts. On est tous d'accord à ce moment-là pour dire que ouais, Leão, en deuxième, c'est pas mal derrière Zlatan et tout. Peut-être que ça pourrait prendre la relève. Bien sûr que c'est pas le même registre. En attendant, Leão, on l'a payé quand même une certaine somme. On voit qu'il a un potentiel démentiel. Pour moi, est-ce que il n'est pas déjà chez nous en fait la doublure de Zlatan, la relève de Zlatan sur les différences de perf rapidement de Leão, qu'il était neuf ou pas, c'est son implication qui rend l'importance de son match et la dimension qu'il peut prendre. Il n'a pas été bon à la Spezia parce qu'il n'est pas dans son match. Là, tu l'aurais mis à gauche ou à droite en 10 ou latéral droit. Je veux dire, avec l'envie qu'il avait, Karsdorp, il te l'envoyait dans tous les cas. Il le mangeait 4 fois sans problème, tu vois. C'est juste une question d'implication. Leão était dans son match, et quand Leão est dans son match, ça fait très très mal pour son adversaire direct. Mais après, sur le long terme, je pense qu'effectivement, Leão peut viser à être un très grand attaquant, un très grand numéro 9 sur le long terme. C'est un profil moderne, rapide, technique, puissant, qui a une bonne finition, un très bon jeu de passe, comme on l'a vu les derniers matchs. Je pense qu'il peut faire 9. Après, est-ce que d'ici 1 an, 1 an et demi, est-ce qu'il va être capable d'assumer ce rôle au Milan ? J'en doute un peu. Donc, je pense qu'on va encore avoir besoin peut-être d'un autre attaquant de transition avant de peut-être réussir à affirmer Leão à ce poste. On verra bien. J'espère que ça sera le cas, en tout cas. Yann. Je ne sais pas si vous remarquez comme moi, c'est que les matchs où on trouve Leão très bon sont toujours les matchs où il est aligné avec Zlatan Ibrahimović. Et là, on en revient à notre sujet de base, qui est l'importance de Zlatan Ibrahimović. Et moi, c'est ce que je trouve qu'il a réussi à apporter dans notre équipe, c'est qu'il a réussi à transcender des joueurs qui, pour moi, étaient totalement dépassés et n'avaient plus leur place dans notre équipe. Je pense notamment à Hakan, qui fait une première partie de saison, la saison dernière, absolument pas satisfaisante pour moi. Et avec l'arrivée de Zlatan, on a vu un Hakan qui reprend totalement confiance en lui et qui devient maintenant, comme tu l'as dit tout à l'heure, Matteo, absolument irremplaçable dans notre effectif. Leão également, qui est très brouillant pour moi sur la saison dernière, qui par quelques éclairs de génie, face à la Fiorentina notamment, se fait remarquer. Mais au moment où Zlatan débarque en Lombardie et où chaque fois que Zlatan est aligné aux côtés de Leão, on voit un Leão qui a de l'envie, un Leão qui a moins cette nonchalance sur laquelle on lui a presque tapé dessus, on peut dire ça comme ça, face à la Spezia, à chaque fois que Zlatan est avec lui sur le terrain. Et moi, c'est ce rôle de grand frère, si je peux me permettre, de Zlatan avec nos joueurs. Ce qui marche parfaitement également ce rôle, c'est à chaque fois que Zlatan marque un but et qu'on a des photos du club qui sont publiées sur les réseaux sociaux, on voit Zlatan en grand, les bras écartés, qui prend un peu comme tous ces petits poussins, ses enfants avec lui. Et je trouve que c'est parfaitement imagé de la relation que Zlatan a dans notre équipe en ce moment, où il arrive à transcender des joueurs, à les faire redevenir à leur niveau qu'ils avaient lorsqu'on les a recrutés. Ce rôle de grand frère. Ce rôle de grand frère que tu dis, Yann, moi c'est ça, j'ai complètement ce sentiment, cette relation un peu particulière qu'ils ont, Leão et Zlatan. Tu vois encore sur le centre de Leão pour Saelemaekers, Zlatan va voir les deux, met une petite tape derrière la tête à Leão. Et puis il y a ce truc de se défoncer, parce que sinon, tu vas te faire défoncer. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que c'est ça, en fait. C'est que Leão sur le terrain, il est en attaque avec Zlatan Ibrahimović. Et tu sais que, putain, tu vas louper ton centre, tu vas rater ton dribble, tu vas manger un peu, tu vas croquer un peu. Derrière, tu vas te prendre une réprimande dans le vestiaire ou même sur le terrain, parce que Zlatan, il peut te le dire direct aussi. Et c'est là, en fait, l'importance de Zlatan Ibrahimović sur le terrain. Après, je trouve que dans le contenu du jeu et tout, on a besoin de Zlatan. C'est un élément fort et déterminant. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais pour moi, on n'est pas plus dépendant de Zlatan qu'un Hakan. Tu l'as dit, Matteo, tout à l'heure, et tu soulignais les coups de pied arrêtés. Je trouve que l'importance du Turc sur les coups de pied arrêtés est primordiale. Aussi, on peut parler d'un Kessié dépendant, d'un Kjær dépendant. Dans ce cas, je trouve que le terme est trop facilement utilisé. C'est Voilà, on sait que c'est une rockstar. On sait, vous l'avez dit aussi, je trouve que toute la communication du club est vraiment tournée pour amplifier ce côté Zlatan, is God ou tout ce que tu veux. Mais je trouve que dans le jeu, on n'est pas forcément plus que ça, plus qu'un autre, en tout cas dépendant de Zlatan Ibrahimović. En revanche, en dehors du terrain et sur toute la partie mentale, là, on ne peut pas le nier. Nous sommes Zlatan dépendantes à 100%. Je pense que Pioli aussi. Et je trouve que, en fait, j'ai limite peur que lorsqu'il partira, si derrière un Gigio, par exemple, ne prend pas ses responsabilités ou alors qu'on les donne à quelqu'un d'autre, j'ai peur que l'état d'esprit du groupe s'essouffle au fur et à mesure des contre-performances et que, tu vois, ce truc qu'on a actuellement de rage au ventre, de couteau entre les dents quand on rentre sur un terrain parce qu'on a cette Zlatan attitude. Et bah, j'ai peur qu'au fur et à mesure du temps, si jamais Zlatan s'en va ou prend sa retraite, on perde ce côté guerrier. Après, pour que Gigio s'investisse, il faut qu'il soit là l'été prochain et la saison prochaine. Et ça, oui, c'est pas gagné. Donc, l'investissement, non, mais… il sera là. Moi, j'y crois pas personnellement. Je sens la Mino Raiola qui va nous la glisser. Moi, je pense qu'il va prolonger avant janvier, je pense largement. Mais pour revenir à ce que tu disais, Guillaume, moi, pour le coup, je suis pas d'accord avec ça. Parce que si on regarde le Milan de Gattuso, j'ai envie de dire, l'avant Pioli en tout cas, on n'avait pas de leader dans le vestiaire. Ça, c'était clair et net. On avait Romagnoli qui était capitaine, mais voilà, on sait que Romagnoli, ce n'est pas un capitaine qui va énormément haranguer, etc. Je pense que depuis Zlatan, on a des leaders dans ce groupe qui se sont créés. Alors, grâce à Zlatan, très certainement. Je pense notamment, un leader un peu plus silencieux, en tout cas, qui est Franck Kessié. Franck Kessié, maintenant, c'est indéniable que c'est un pilier de cette équipe et c'est un leader. Parce que voilà, les joueurs se reposent sur lui et c'est quelqu'un, comme il l'a dit après en interview, c'est le président, comme il s'appelle, c'est vraiment quelqu'un qui a une mentalité et qui a un niveau de jeu qui fait qu'il élève ses coéquipiers et pour moi, c'est un véritable leader. Même chose pour Donnarumma, qui lui, en plus, parle beaucoup sur le terrain. Donnarumma, c'est maintenant un leader. Et Théo, tu disais qu'il partirait peut-être. Moi, je suis persuadé qu'il va rester et je le sens qu'il aime ce club et qu'il a envie de faire des grandes choses. Donc, j'espère qu'il restera. Et juste pour le troisième leader… Ouais, je pense. Et juste le troisième leader, c'est Kjær. Alors Kjær, pour le coup, il arrive en même temps que Zlatan, donc on ne peut pas vraiment dire que c'est fait Zlatan ou pas. Mais Kjær, maintenant, c'est un vrai leader sur le terrain. Comme il l'a dit tout à l'heure, Yann, il parle énormément, il communique beaucoup, il crie, il s'énerve un petit peu comme Zlatan. Pour moi, on a ces trois leaders-là que sont Kessié, Donnarumma et Kjær, qui, quoi qu'il arrive, le resteront avant ou après Zlatan. Voilà. Et là, partir dans un autre débat, mais du coup, moi, ça évoquait ce que je me suis dit pendant le match et ce que j'aurais pu dire tout à l'heure en évoquant ce joueur. C'est en fait Romagnoli. Et tu t'évoques Kjær, t'évoques Kessié, t'évoques Zlatan, t'évoques même Donnarumma. Après, on connaît la problématique de retirer un brassard de capitaine pour le donner à quelqu'un d'autre. On sait que c'est un move très compliqué. Ouais, et finalement, est-ce que c'est le bon joueur pour porter le brassard, Romagnoli ? Je pense que Romagnoli, il a un symbole de l'ADN du club, si je puis dire. C'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps. Il a connu les années très difficiles. Il a prolongé, alors qu'on était au plus bas de notre histoire, mais le plus bas des années 2010. Voilà, c'est au moment où Romagnoli a prolongé. Il a montré vraiment un attachement pour le club. Je pense que voilà, ça reste entre guillemets qu'un brassard. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je me vois pas lui retirer. Ça me paraît impossible que Romagnoli soit plus notre capitaine demain, quoi. Moi, je pense qu'au-delà du symbole qu'on peut attribuer autour du brassard ou pas, Romagnoli n'est naturellement pas, en tout cas cette saison, pour moi, la personne la plus à même d'être capitaine. Ne serait-ce qu'un joueur comme Kjær qui a montré en 6 mois qu'il est capable d'être un leader comme ça. Kessié, avec le passé entre guillemets qu'il a avec Milan, je trouverais un peu tôt de lui donner le brassard. Le leadership qu'il a au milieu de terrain, il est largement mérité et il s'est installé de lui-même, il n'a pas besoin d'un brassard pour le justifier. Ouais. Non, après, que Gigio le soit en l'absence de Romagnoli ou même que Zlatan le soit sur certains matchs, ça ne me dérangerait pas. Pour l'instant, je pense que la question du capitanat, elle est secondaire parce que, Théo le disait très justement, on a réussi à avoir un leader à chaque rang et ce n'était pas donné d'avoir ce leader ou ce joueur sur lequel on peut se reposer. Mais oui, la question du leadership avec Romagnoli pour répondre à ta question… évidemment que ce n'est pas le joueur qui communique le plus sur le terrain. Évidemment qu'on peut remettre en question sa légitimité. Mais on parle d'un joueur qui a évolué avec Paletta, avec Alex. Exactement. Et avec bien d'autres joueurs qui me rapprochent de l'envie de supporter le waterpolo plutôt que Milan. Donc, rendons à César ce qu'il y a à César. Il mérite d'être là. Il le mérite. Très bien, bah dites-nous vous dans les commentaires ce que vous en pensez, si nous sommes Zlatan dépendante ou pas du tout. Milan reste quand même leader du championnat malgré ce match nul. On se retrouve la semaine prochaine pour un match face à l'Udinese à l'extérieur, match piégeux. Attention. Midi et demi l'horaire, n'oubliez pas l'horaire. Midi et demi, levez-vous, levez-vous. Et puis, bonne semaine et Forza Milan, ciao. Forza Milan, ciao les gars. Ciao tout le monde.